All rise, vous vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Vous vous asseoir. Bonjour, je vous souhaite à tous la bienvenue, à ceux qui sont dans la salle d'audience et aussi au public qui est à la galerie. Et je prie au greffier d'audience d'appeler l'affaire, s'il vous plaît. Merci, Madame le juge. La situation en République de Côte d'Ivoire, dans l'affaire Le procureur contre Charles Blé Goudé, ICC 0211-0211. Je vous remercie et je demande maintenant aux parties et aux greffes de se présenter. Je vous rappelle de parler, s'il vous plaît, lentement, de marquer des pauses avant de répondre à des questions afin de permettre aux interprètes de faire leur travail. Madame le procureur, puis-je vous demander de vous présenter ainsi que présenter à votre équipe, s'il vous plaît. Vous avez la parole, madame. Thank you, Madame President. Merci, Madame le Président. Donc, le bureau du procureur est représenté aujourd'hui par M. James Stewart, M. Eric McDonald, M. Lloyd Tsang, Madame Christina Varga, Maria Bernenkova, Flori Hick et Andrea Fulga. Et je suis Fatou Bensouda. Je vous remercie, Madame procureure. Je m'adresse maintenant à l'équipe de la défense de M. Blé Goudé. Je vous prie de laisser le soin à votre client de se présenter lui-même et plus tard. Mais vous avez la parole pour vous présenter ainsi que votre équipe, s'il vous plaît. Good morning, Your Honor. Bonjour, Madame le Président. Je suis Maître Nicolas Kaufmann. Je suis membre du barreau israélien. Et d'Angleterre et Pays de Galles, je représente M. Blé Goudé. Et à côté de moi, une personne que nous connaissons très bien, et sans le soutien de laquelle un grand nombre d'équipes de défense ne pourraient pas fonctionner, donc Maître Xavier Jean Keïta. Ensuite, Razila Drazidovic, notre commise aux affaires, qui vient de l'OPCD, elle aussi. Et bien sûr, M. Blé Goudé, qui va se présenter par la suite. Avec votre permission, j'aimerais aussi citer quatre autres personnes qui travaillent avec acharnement en Côte d'Ivoire pour M. Blé Goudé, qui ont travaillé pour lui lorsqu'il était prisonnier là-bas. Maître Hervé Guaméné, Maître Claver Hendry, Maître Serge Mounion, et Maître Félix Bobré. Je vous remercie. J'ai oublié mon microphone, mais je vous prie de vous présenter ainsi que votre équipe, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sur le banc du greffe, à mes côtés, il y a Vera Wang, qui est juriste au sein du cabinet, et Dairu Santana, qui est juriste à la détention, et moi-même, Marc Dubuisson, directeur des services de la Cour, qui représente le greffier Herman Van Heubel. Je vous remercie. Je suis Sylvia Fernandez, la juge présidente de la Chambre préliminaire 1, ainsi que la juge unique pour cette affaire. Je suis accompagnée aujourd'hui de M. Gilbert Bitti, Silvestro Stassone, Simon Grabovets, Thomas Hamilton et Lucia Schobhau. Maintenant, je voudrais m'adresser à M. Blé Goudé et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie de vous lever, M. Blé Goudé, et je vous invite à nous dire quel est votre nom, votre date et lieu de naissance, ainsi que votre profession actuelle, s'il vous plaît. Monsieur? Merci, Madame la juge. Je suis Blé Goudé Charles, né le 1er janvier 1972 à Niangbrayo, dans la sous-préfecture de Gibérua, département de Gagnoua. Je suis consultant en communication politique. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je constate que vous comprenez et parlez le français parfaitement. J'imagine que c'est votre langue maternelle, Monsieur Blegoudé. C'est cela, madame. Je suis d'un pays qui a été colonisé par la France. Et donc, je parle français. Mais je comprends que vous parlez aussi l'anglais parfaitement, que vous avez étudié à l'Université de Manchester, c'est bien ça? Ce n'est pas faux, madame la juge. Vous le parlez, vous le comprenez, vous le comprenez parfaitement? Yeah, I can speak English, but I prefer to speak in Je peux parler anglais, mais je préfère parler français. Donc vous pouvez parler anglais, mais vous préférez vous exprimer en français, c'est cela? Dit le président, monsieur Blegoudé, en effet. Je crois qu'il est utile de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation des charges. Aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté et il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Blegoudé. La portée de cette première comparution est limitée à trois objectifs, conformément à l'article 60, paragraphe 1er du statut de Rome et la règle 121, paragraphe 1er du règlement du procédure et des preuves. Premièrement, cette audience a pour objet de permettre à la chambre préliminaire de s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, l'audience a pour objet de permettre à la chambre préliminaire de s'assurer que la personne a été informée des droits qui lui reconnaît le statut de Rome. Et enfin, la chambre préliminaire doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience pour confirmer ou pour rejeter les charges contre la personne concernée. Par conséquent, j'aborderai de manière consécutive les trois objectifs de l'audience d'aujourd'hui. Premièrement, je voudrais savoir, en vertu de l'article 60 du statut de Rome, si, M. Blegoudé, vous avez été informé des crimes qui vous sont reprochés. Monsieur Blegoudé. Oui, madame la juge, j'en ai été informé. Je vous remercie. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous lise? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous lise le mandat d'arrêt? Oh, madame la juge, je pense qu'on peut en faire l'économie. S'il vous plaît. Je pense qu'on peut en faire l'économie. D'accord, je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Blegoudé, la Chambre doit en second lieu s'assurer que vous avez été informé de l'ensemble de vos droits, tel qu'est prévu par le statut de Rome, notamment à l'article 67 du statut. Est-ce que vous avez été informé de ces droits? Oui, madame la juge, mon avocat m'en a informé. Je vous remercie. De toute façon, et sans tenter d'être exhaustive, je voudrais de toute façon récapituler certains de vos droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Vous avez, monsieur Blegoudé, entre autres, les droits suivants. Vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. À ce stade, vous avez été informé des crimes qui vous sont reprochés tels qu'ils sont contenus dans le mandat d'arrêt. Vous pouvez également disposer de l'assistance gratuite d'un interprète si jamais il en a besoin, et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez aussi le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix. Je constate que la Chambre a reçu hier
la notification par le greffe de votre choix concernant Maître Kaufmann. Vous avez le droit de garder le silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous pouvez faire également des déclarations dans le cadre de votre défense sans avoir à prêter serment. Outre toute autre communication prévue par le statut, les procureurs doivent vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition qui vous disculpent ou qui tentent à vous disculper ou atténuer votre culpabilité ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Vous avez les droits, au stade de la confirmation des charges qui va suivre, de contester les charges ainsi que les éléments de preuve présentés par le bureau du procureur et de présenter vos propres éléments de preuve. Vous avez aussi le droit de renoncer à votre droit d'être présent à l'audience de confirmation des charges. Cependant, la Chambre a le droit d'exiger votre comparution si elle estime nécessaire. Vous avez également le droit de renoncer à votre droit de participer à toute conférence de mise en état qui sera tenue à la suite de cette première comparution dans le but de procéder à une divulgation efficace des éléments de preuve. Vous disposerez des temps et des facilités nécessaires pour préparer votre défense. Vous aurez notamment la possibilité d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et d'obtenir la comparution des témoins à décharge ainsi que de présenter d'autres éléments de preuve. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans avoir à prêter serment. Finalement, vous avez le droit de faire appel à certaines décisions conformément à l'article 82.1 du statut et des dispositions pertinentes du règlement des procédures et des preuves. Monsieur Blegoudet, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que votre avis sur les conditions de détention au siège de la Cour depuis votre arrivée à La Haye. Est-ce que vous avez des observations à formuler là-dessus? Oui, Madame la juge, j'ai beaucoup d'observations. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou c'est après. Je vous écoute et je vous rappelle que je voudrais connaître surtout vos observations sur les conditions de détention à La Haye ainsi que votre remise à La Haye. D'accord. Merci, Madame la juge. Je voulais d'abord dire que je suis content d'être là. Pour le respect que j'ai pour les victimes, mais de toutes les victimes de la crise qui a secoué mon pays, je suis content d'être là. Dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sue, afin que cessent les murmures. Madame la juge, je ne veux pas être libre de mes mouvements physiques pendant que ma conscience innocente, accusé à tort d'être la base de tous les torts, pleure au-dedans de moi. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Madame la juge, je n'ai pas été remis à la CPI dans les normes. Je voudrais le noter. J'ai été arrêté de manière cavalière au Ghana, surpris dans mon sommeil, amené manu militari au bureau national d'investigation
mis dans un véhicule sans qu'on me dise où on m'amène. C'est pendant que nous roulions que je me suis rendu compte qu'on me ramenait en Côte d'Ivoire. Et pourtant, les choses pouvaient se faire dans les règles de l'art. On ne m'a pas permis de parler à un avocat. Mes droits élémentaires ont été violés, Madame la juge. Je voulais que cela soit noté. Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, Madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, Madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque soir, Madame la juge, je devais chercher un morceau de viande solitaire dans une mare d'eau abusivement appelée soupe. Madame la juge, chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de pagne. On me mettait une cagoule. À part la DST, au pays où j'ai fait près de 9 mois et demi, dans un violon, avec pour voisin Jean-Yves Digopieux et Jean-Noël Abbaye. Les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les yeux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon geôlier est venu pour me coiffer. Ils sont venus dans la chambre avec des bagages. Ils m'ont amené au sous-sol toute l'après-midi. Et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propriété sans pareil. Ils ont rangé des livres. Ils ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une mise en scène que le ministère de l'Intérieur de mon pays venait de faire. Madame le juge, j'ai été réveillé le 21 mars à minuit. On m'a bandé les yeux. On m'a mis une cagoule. On m'a mis dans un véhicule. De minuit jusqu'au matin, j'étais assis dans une chaise, les yeux bandés, la tête encagoulée. Et c'est le matin qu'on m'a enlevé la cagoule que je me suis rendu compte que j'étais à la DST à nouveau. Mis dans un véhicule, on m'a conduit chez le procureur. Madame la juge, c'est là qu'on m'a signifié votre mandat d'arrêt. Le même jour, au pas de course, les autorités de mon pays ont fait siéger la chambre d'accusation qui devait approuver mon transfèrement. Madame la juge, c'est comme ça que j'ai été remis le lendemain à la CPI. J'estime qu'on peut faire la politique avec élégance, avec sagesse. Et que la prison n'est pas un instrument pour briser le moral de ses adversaires politiques. On n'utilise pas la prison pour cela. Quelqu'un est accusé, avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais si je suis jugé pour ce que j'ai fait et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Car dans mon pays, on me traque, on traque ma famille, on fait un chantage politique à ma famille politique et biologique, mon médecin en prison, tous mes collaborateurs en prison. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis. Parce que si on devait me poursuivre en Côte d'Ivoire pour ce que j'ai fait, il y a beaucoup de personnalités pro Ouattara qui ne peuvent même pas me regarder en face. Madame la juge, je ne veux pas être la honte de ma génération. Je ne veux pas être la honte de ma famille et de mes enfants. Je suis venu ici et je me considère en mission pour la manifestation de la vérité. Je suis pro-Gbagbo, j'en suis fier d'être. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui. Madame, j'ai appris avec Gbagbo le dialogue. J'ai appris avec Gbagbo la réconciliation. J'ai appris avec Gbagbo qu'il faut convaincre l'adversaire et non le vaincre. Et pour cela, je suis pour que la manifestation de la vérité se fasse. Madame la juge, que la paix soit en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne s'embrase pas à cause de moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des
des observations additionnelles formulées sur vos conditions de détention à La Haye. Est-ce que merci, Madame la juge. Ici? Je suis venu à La Haye. C'est ici que moi j'ai appris qu'un individu peut avoir des droits qui lui sont reconnus. Et je voudrais vous remercier pour ça d'ailleurs. Je suis bien traité ici. Et je suis animé d'un double sentiment. Parce que quand on m'a amené à La Haye ici, beaucoup ont pleuré. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, je vivais le calvaire. Chaque jour, je vivais dans l'angoisse. Chaque minute était un combat. J'étais comme un objet dont on disposait quand on voulait, comme on voulait. Et on me faisait du chantage politique. J'en avais honte pour mon pays et pour mon continent. C'est quand je suis arrivé ici que je me suis rendu compte qu'un individu peut avoir des droits. J'ai été logé comme un prisonnier. Je ne peux pas demander comme dans un hôtel à quatre étoiles. Un prisonnier est un prisonnier, dans tous les cas. Et je suis préparé à cela. Je suis prêt. Mais j'ai quelques observations à faire avec mon avocat. Mais je souhaite, pour le respect que j'ai pour la Cour, qu'on vous en parle à huis clos, dans le juge. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Blegoudé. Je vous aussi vous rappeler que parmi vos droits, en vertu de l'article 60 du Statut de Rome, vous avez aussi la possibilité de formuler une demande de liberté provisoire en attendant d'être jugé. Monsieur Blegoudé, je souhaite savoir si vous souhaitez présenter cette demande de mise en liberté provisoire maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez toujours le faire par écrit à la suite de cette audience. Et en tout cas, une décision de la Chambre sera rendue après avoir obtenu les observations pertinentes du procureur et des autres participants, comme prévu par le statut, le règlement des procédures des preuves et le règlement de la Cour. Maître Kaufmann. Maître Kaufmann, tout à fait. Si je pouvais répondre à cette question, il est bien évident que nous allons déposer une écriture en vue d'obtenir une libération provisoire, mais il faudrait savoir quels seraient les états parties qui seraient en mesure d'accueillir M. Blegoulé. Étant donné qu'une comparution initiale est souvent une audience où l'on soulève plutôt les irrégularités qui ont eu lieu lors de le transfèrement, j'ai un point à soulever qui a été mentionné par M. Blegoulé d'ailleurs et qui est pertinent en ce qui concerne la libération provisoire. C'est son arrestation au Ghana. Le Ghana est un État parti qui a signé le statut de Rome et qui était obligé d'exécuter le mandat d'arrêt délivré par cette Cour et ne l'a pas fait. Il me semble que la Cour a le droit, a l'obligation d'ailleurs plutôt, d'exiger du Ghana à présenter ses observations pour expliquer pourquoi il n'a pas mis en œuvre ses obligations au titre de l'article 89.1 du statut de Rome. Je demanderai aussi à la Cour de demander à la Côte d'Ivoire, qui est aussi état partie au statut de Rome, de présenter ses propres observations de la même façon, pour expliquer pourquoi elle n'a pas rempli ses obligations, qui étaient d'exécuter le mandat d'arrêt en application de l'article 89.1 du statut de Rome. Ces questions sont extrêmement pertinentes, non seulement en ce qui concerne la libération provisoire, mais aussi en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité que nous allons peut-être engager dans les jours à venir. Je vous remercie. Je vais à présent fixer la date de l'audience de confirmation des charges. C'est le troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121, paragraphe 1er du règlement des procédures et des preuves. La Chambre doit, bien sûr, donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer de manière effective à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour dans la matière et des circonstances particulières de cette affaire, la Chambre a décidé de fixer la date du 18 août 2014 pour la tenue de l'audience de confirmation des charges. 18 août. Cette date
pourrait être reporté en fonction de l'évolution de la procédure ainsi que des demandes des parties. Cependant, ce temps devrait être suffisamment long pour procéder à la divulgation des éléments des preuves et des pièces et de permettre aux parties de se préparer de manière efficace. Je voudrais également ajouter que la règle 121, paragraphe 2 du règlement des procédures et des preuves prévoit que la Chambre doit tenir des conférences de mise en état pour que l'échange des éléments des preuves entre les parties se déroule dans de bonnes conditions. La date de la première conférence de mise en état sera communiquée aux parties prochainement par voie d'une ordonnance écrite. Je vais aussi rendre dans les jours qui viennent une décision sur le système à suivre pour la divulgation des éléments des preuves. Je voudrais maintenant vous donner la parole pour savoir si vous avez des observations additionnelles à formuler à ce stade. Monsieur le procureur. Merci, Madame le juge. Les seules observations que l'accusation aimerait faire sont à huis clos, partielles, et rejoignent peut-être les discussions ou les observations que la défense veut également faire. J'ai discuté avec mon collègue au préalable, évidemment, pour inviter la Chambre à nous entendre à huis clos partiel. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres formulations à formuler maintenant? Et sinon, on passerait à la partie de l'audience à huis clos partiel. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire maintenant? No, Your Honor, we have no further observation. Maître Coffin, pas d'observation Merci. À l'heure actuelle. Alors, s'il n'y a plus de formulations d'observation à formuler, je vais demander au greffier d'audience de passer au huis clos partiel, s'il vous plaît.
Nous sommes en audience publique, Madame la juge. Nous sommes de retour en audience publique. Je demande pardon au public qui nous a dû attendre pendant que nous étions à session des huis clos partiels. Mais nous sommes arrivés maintenant au terme de l'audience de la première comparution dans l'affaire le procureur contre Charles Blégoudet. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les parties et les participants à cette audience, ainsi que les interprètes, les sténotépistes, et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre ma sortie avant qu'ils n'escortent M. Blégoudet en dehors du prétoire. L'audience est levée. All rise, vous vous levez.